Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment gérer plusieurs documents InDesign afin d'en assurer la cohésion typographique et éditoriale grâce à la fonction Livre. Un fichier Livre sur InDesign, c'est un fichier qui comporte plusieurs documents InDesign. Bien sûr, chaque document aura son propre nuancier, des styles de caractères, des styles de paragraphes différents. Pourquoi on utilise l'option Livre ? On l'utilise lorsqu'on a, par exemple, un magazine avec plusieurs participants, plusieurs journalistes, plusieurs chroniqueurs qui vont chacun créer un article. Donc, ces articles, c'est des documents InDesign qu'on va gérer grâce à la fonction Livre et on va faire en sorte d'avoir un rendu final harmonieux avec des couleurs, des styles de texte plus ou moins cohérents. Voilà. Donc je reviens vers le logiciel. J'ai déjà créé deux articles. Le premier parle du design graphique et le deuxième de la photographie. Donc je vais faire en sorte d'avoir ces deux articles-là sous un même livre, sous un même document. Donc pour le faire, on va aller sur Fichier, Fichier, Nouveau, et au lieu de créer un nouveau document, on va créer un nouveau livre. Donc j'ai cette fenêtre qui va me permettre de choisir l'emplacement de mon fichier et le nom que je vais donner à mon livre. Voilà, je vais choisir le nom. Et l'emplacement. Et là, après avoir cliqué sur Enregistrer, j'ai cette fenêtre. Livre InDesign 1 plus 2, c'est le nom que j'ai donné à mon livre. Il est toujours vide, il n'y a pas de document dessus. Donc, pour ajouter mes deux articles, je vais cliquer sur cette icône-là, plus, ajouter des documents. Donc là, je peux choisir autant de documents que je veux. Il y a tous mes documents InDesign ici. Je vais en choisir l'article 1 et l'article 2 que j'ai créé justement pour cet exercice. Et puis je clique sur Ouvrir. Voilà, maintenant cette fenêtre, maintenant j'ai une petite liste article 1 et article 2. Je vois une icône ici qui indique la source des styles. Alors, mon article 1, c'est celui où on va avoir la source des styles. Donc, première chose à faire, c'est contrôler le document. Mais avant, je vais vous montrer comment on peut passer d'un document à l'autre sans avoir besoin d'aller chercher le document, d'aller ouvrir le document en tant que tel. Donc, il suffit de cliquer sur l'article, ici, sur cette fenêtre, pour changer automatiquement de fenêtre. Donc là, si vous remarquez, je passe à une fenêtre d'une fenêtre à l'autre juste en cliquant ici. Donc voilà, donc j'ai mon article 1 et mon article 2. Je vais aller vérifier, je vais contrôler s'il n'y a pas d'erreur sur mon document. Donc, pas d'erreur concernant le premier article, mais il y a une erreur sur le deuxième article. Donc, je vais aller sur le deuxième et je vais voir quelle est cette erreur. Sûrement un texte en excès. Oui, voilà, j'ai du texte en excès que je vais régler tout de suite. Voilà, maintenant c'est vert sur les deux, c'est-à-dire que mon document ne comporte plus aucune erreur. Donc maintenant je vais aller sur Options de synchronisation, ici,
Je clique sur cette icône et je vais avoir ce menu déroulant pour voir mes options de synchronisation. Je peux choisir ce que je vais synchroniser, si je veux synchroniser les gabarits aussi ou pas. Donc là, par défaut, j'ai tout qui est activé sauf les gabarits. Mais je vais synchroniser les gabarits aussi. Donc avant de synchroniser, donc je clique sur OK. Mais avant de synchroniser, je veux que vous vous rappelez des couleurs. Là, j'ai du rose sur les gabarits. Du rose sur le texte aussi. Voilà. Et là, j'ai les gabarits qui sont en bleu. Voilà, j'ai le bleu en couverture. Et sur les textes, voilà. Ainsi que le numéro de page. Donc je vais aller une autre fois sur cette icône là, le menu déroulant, et je vais synchroniser mon livre. Je peux le synchroniser aussi directement à travers ces deux flèches là, ou bien à travers ce menu déroulant. Donc je clique sur synchroniser le livre. C'est bon, la synchronisation a été terminée. Je passe maintenant à mon article 2 qui était en rose. Et je vois les modifications qui ont été faites. Donc tout de suite, le gabarit a pris la couleur du gabarit que j'avais sur l'article 1, qui est la source. Les textes aussi, le titre. Donc mon titre 1 qui était en rose est devenu bleu, comme celui qui était sur l'article 1. Les numéros de page aussi. Si vous remarquez aussi, je passe tout de suite ici sur l'article 2, je passe tout de suite à une numérotation de page allant de 5 à 6, c'est-à-dire la continuité de la pagination de l'article 1, qui allait de 1 à 3. Donc c'est bon, je peux exporter mon document maintenant. Exporter le livre au format PDF. Voilà, livre 1 plus 2. Je choisis encore une fois l'emplacement et je clique sur enregistrer. C'est bon, donc on va aller vérifier notre document. Donc voilà, couverture, et on va voir si tout est là. Donc voilà, effectivement, j'ai mes documents, mes deux articles, photographie et design graphique, sur le même document de 6 pages. Voilà. Merci et au revoir.